déçu. C'est toujours dans un lieu différent, toujours un lieu incroyable. Voilà, découvrir un nouvel endroit, voir des scénos et des DJ, c'est ouf. Mon patron, je lui ai dit ouais, je vais au Rexit ce soir. Il m'a dit ah, tu veux au Rexit, le truc du Rex? Il m'a dit ah, mais c'est incroyable. Et du coup, bah, je suis là et c'est génial. Forcément, c'est un club mythique que tout le monde connaît. Même mes grands-parents, quand je leur disais je vais mixer au Rex, ils comprenaient, mais ils pouvaient mettre un peu un doigt sur quelque chose. Donc il y a un côté ouais, complètement légendaire. Le Rex, c'est 30 ans de culture, 20 ans de ceinture. Bah, le Rex, c'est l'un des premiers clubs électro de France, c'est un truc un peu mythique, quoi. Donc oui, c'est une institution. En fait, ça représente la techno, ça représente l'électro, ça représente des années de musique. C'est le meilleur sound system de Paris. La quintessence des nuits parisiennes. On a tous commencé par le Rex, on finira par le Rex. Je suis né avec le Rex et je suis là pour les 30 ans. Bonheur, 30 ans de clubbing. Bah, les 30 ans, ça m'a mis dans la gueule. Vive le Rex, bon anniversaire. Joyeux anniversaire, le Rex. Joyeux anniversaire, le Rex. Et je vous remercie pour l'invitation.